Si tu as une peau extrêmement sèche et que tu as tout essayé et que ça ne fonctionne pas, laisse-moi donc te donner quelques habitudes à éviter à l'avenir afin de t'aider à améliorer la texture de ta peau. La première des choses ici sera les bains chauds. Oui, c'est extrêmement relaxant, particulièrement quand on vit en Occident, mais ça nous nettoie entièrement de nos huiles naturelles grasses que nous avons à la surface de la peau, qui nous hydrate la peau naturellement et nous protège des agressions extérieures. La deuxième des choses, c'est l'application des produits contenant des alcools dénaturés. Oui, mes chéris, il est temps que vous sachiez lire les dos des packagings. La troisième chose, c'est des produits contenant des fragrances, c'est-à-dire des produits qui sentent extrêmement bon. Ici en Chine, à mes débuts, je pouvais rester une heure de temps dans les toilettes à cause des produits qui sentent bon. Mais la peau était extrêmement sèche. Quand j'avais compris ça, je suis retournée sur les savons. Voilà, inodore et ma peau se sent merveilleusement bien bâtie parce que je suis une peau sèche et sensible. La prochaine des choses ici à éviter, c'est de mettre trop longtemps avant d'appliquer votre crème hydratante sur la peau, particulièrement quand elle est riche en humectant. Tout simplement parce que après 5 minutes, si vous n'avez pas appliqué votre crème sur la peau, l'eau que vous avez sur la peau là va s'évaporer et la peau va encore s'assécher. Donc, essayez d'appliquer votre crème hydratante ou votre crème sur votre peau juste après, maximum 5 minutes pour obtenir les meilleurs résultats. Et la dernière étape ici qui est très importante, c'est pour celles-là qui utilisent des crèmes éclaircissantes contenant des exfoliants, tels que par exemple lactique acide, salicylique acide, azélaïque acide, mandélique acide. Regardez sur vos produits et le rétinol. Si vos produits sont, si vos laits sont éclaircissants et contiennent des exfoliants, ne l'appliquez pas quand la peau est encore hydratée, sinon ça va vous assécher, particulièrement quand ça contient du rétinol. Voilà. Et si vous appliquez des produits hydratants, si vous appliquez des produits éclaircissants, appliquez-les maximum 4 fois dans la semaine parce que s'exfolier la peau tous les jours est un danger. Il va vous assécher gravement la peau, peu importe ce que vous allez faire. Abonne-toi pour plus d'astuces.